valeur. Un exploit, ça. Bonjour. Comme je vous avais averti, on a pris une équipe de tournage. Vous avez mis la chemise et tout, du coup. Non, ça passe bien à l'image. Alors moi, je m'appelle Jérémy Lacruz. Je suis chargé d'affaires au sein de l'entreprise Speed, d'accord, du groupe GCBTP. Mm-hmm. Donc on est spécialisé en tout ce qui est travaux de structure et canalisation. Comme ce qu'on appelle, on est les médecins du bâtiment. Donc en fait, on vient consolider les bâtiments par tout ce qui est technique de reprise en sous-œuvre, reprise de plancher, tout ce qui est technique de reprise de points de bois. Le bâtiment m'a toujours attiré et puis le fait de faire de la structure, c'est voilà, tous les chantiers sont différents, tous les chantiers sont des prototypes. Donc voilà, il faut trouver des astuces pour pouvoir réaliser certaines techniques et ça nous permet de mettre en rôle tout ce qui est bureau d'études techniques et notre expertise pour pouvoir consolider les bâtiments. Bah, on en a pas eu trop. Après, il faut être honnête, l'entreprise Speed a été assez résiliente à ce niveau-là. On a eu des surprises. Bon, on va dire que Speed a trouvé des solutions en mettant la main à la pâte. Par exemple, rue Faubourg-Saint-Denis, ouais, où on a découvert un énorme fontis en fond de couloir. C'est quoi donc, alors en fontis, c'est qu'il y a eu un gros dégât des eaux au niveau du collecteur. Le collecteur était fuyard. Donc en fait, au fur et à mesure des années, avec l'eau qui se ravinait, ça a créé en fait un gros affaissement au niveau du sol. Donc en déposant l'échappe, on s'est aperçu qu'il y avait entre guillemets un énorme trou en fait. Ce qu'on appelle un fontis en dessous des fondations du bâtiment. Donc voilà, donc c'est qu'on a comblé en grave ciment pour pouvoir restabiliser l'angle du bâtiment. D'accord, donc ça c'est des choses pas courantes C'est des choses pas courantes donc ça vous... qu'on commence à apercevoir de plus en plus sur Paris parce que les bâtiments sont de plus en plus vieillissants. Cet aspect un petit peu onduleux vient pas du fait qu'on n'ait pas fait les joints. Cet aspect onduleux vient du fait, je crois, de la personne qui l'a posé. Vous savez, comme on avait dû avoir des platelages, c'est-à-dire démonter le platelage pour que les gens passent remettre le platelage. Une fois que le carrelage est collé, qu'on fasse les joints 2 ans après, lui ne bougera pas. Les joints, eux, sont là pour éviter les infiltrations d'eau, pour éviter que le carrelage se décolle.